prions Allah subhanahu wa ta'ala nous réconforte et puis exauce toutes nos prières. Et dire à cette famille honorée, honorifique, vraiment Medina Wandi Fall dans sa globalité est honorée. Et honorée pour deux ou trois, en tout cas, choses. Cette famille a accepté, sur l'invitation de M. Kaba Fati, de venir commémorer cette journée du centenaire de Cheikh Na Cheikh Mahfouz Hadra à Medina Wandi Fall. C'est une fierté et un honneur pour nous en tant qu'autorité, en tant qu'administrateur de cette commune, de cette localité-là. Donc connaissant en tout cas cette famille-là, connaissant en tout cas cette personnalité religieuse-là, donc nous pensons qu'il est de notre devoir de lui rendre hommage, de retenir cette personne-là dans la commune de Wandi Fall à jamais. Donc sachant que l'hôpital de Medina Wandi Fall peut porter son nom gratuitement et que ces bénédictions-là vont tomber en tout cas pour l'ensemble du monde entier, je pense qu'il serait important que pour nous, le conseil municipal que je dirige, de donner le nom de Cheikh Na Cheikh Mahfouz Hadra au poste de santé de Medina Wandi Fall que nous avons vraiment gracieusement dénommé, en tout cas depuis le conseil passé, du 18 passé, que le poste est devenu le poste de Medina Wandi Fall, Cheikh Na Cheikh Mahfouz Hadra. En tout cas, ses petits-fils, ses petits-frères, ses enfants, qui, en tout cas toute sa famille chérifienne, En tout cas, comprends par là que la communauté de Medina Wandi Fall est engagée pour vraiment accompagner la dynamique qui se trouve dans cette famille-là, pour vulgariser et en tout cas rendre en tout cas beaucoup plus attractif les bienfaisants de Cheikh Na Cheikh Mahfouz Hadra dans le monde entier, mais également dans la famille islamique. Donc c'est pourquoi nous avons osé vraiment de donner ce nom-là à Cheikh Na Mahfouz Hadra.